bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Bonjour. Dans un premier temps, ce qu'on va vérifier, c'est un petit peu les papiers, les cartes de niveau, certificat médical, les carnets de plongée, pour voir un petit peu votre expérience et vos dernières plongées. Et puis, une fois que ça sera fait, après que la fiche de palanquet sera remplie, on pourra se préparer tranquillement. Vous êtes venu pour passer un baptême. Alors, on va vous expliquer comment ça va se passer. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire au niveau du matériel. C'est nous qui avons gréé les blocs. Et on va vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Alors, la première des choses, c'est que vous avez une combinaison. La combinaison, vous allez l'enfiler. Vous aurez après, comme il fait un petit peu froid, l'eau elle est encore un peu fraîche, vous avez la cagoule. OK. Alors, je vais vous la garder, je vous expliquer, parce que comme on va aller dans l'eau, on ne va pas pouvoir voir dans l'eau. Donc, on va mettre un masque. D'accord? Donc, votre masque, il ne faudra pas qu'il soit trop serré. Donc, vous voyez, quand je rentre mon masque, il faut que je puisse le sortir là. Un masque, donc il y a la jupe, le verre et la sangle. La sangle, elle ne doit pas être trop basse. Sinon, ça va ici, vous allez prendre un peu d'eau. Elle ne doit pas être trop haute, sinon ça va vous tirer sur le nez. D'accord? Donc, on est là. Autre chose, ici, la jupe ne doit pas être par-dessus la cagoule. C'est la cagoule qui vient par-dessus la jupe. Donc, on fera bien attention. D'accord? Alors, quand on va aller dans l'eau, au niveau du masque, vous risquez d'avoir un petit peu de buée. Donc, pour ne pas avoir de buée, vous allez mettre un petit peu de salive et vous allez nettoyer vos verres. Et après, vous les rincerez. Ça vous évitera d'avoir de la buée. D'accord? Après, vous pouvez éventuellement avoir un petit peu d'eau qui rentre dans le masque. Donc, si vous êtes en surface et que vous avez un petit peu d'eau qui rentre dans le masque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décoller votre masque et l'eau va tomber. D'accord? Si vous êtes au fond de l'eau, ce que vous ferez, vous appuierez sur l'eau du masque, vous basculerez la tête en arrière et vous soufflerez. D'accord? Au niveau du masque, vous avez vu ici, au niveau de, vous pouvez pincer le nez. Ça va vous servir à quoi? C'est-à-dire, quand on va descendre, on va avoir un petit peu de pression au niveau des oreilles. Donc, quand le moniteur vous fera ce signe-là, vous pincerez votre nez et vous soufflerez de façon à équilibrer au niveau des oreilles. Donc, c'est une des règles de sécurité. Donc, vous avez votre combinaison, elle va flotter. On va mettre un petit peu de poids pour compenser. Vous aurez des palmes. Alors, les palmes, là, c'est des palmes classiques. Vous avez déjà utilisé des palmes? Oui, à la piscine, voilà. De toute façon, vous n'allez pas faire grand-chose. Il suffira juste d'allonger les jambes. Voilà, et le moniteur va vous tenir. Alors, on va aller dans l'eau, il va falloir respirer, on n'est pas des poissons. Donc pour respirer, on va avoir une bouteille. Dans la bouteille, ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'air qu'on comprime et après qui ressort avec un système qu'on appelle des détendeurs. D'accord? Alors, quand on a le détendeur, ça, on va le mettre dans la bouche et il y a des petits ergots qu'on va serrer avec les dents et ça va se mettre entre les dents et les lèvres, là. Et après, je referme les lèvres par-dessus et il faut respirer naturellement. La bouteille, elle est fixée sur un gilet. Voilà, c'est comme un sac à dos. Donc, ça se met comme un sac à dos. Et donc, quand vous allez prendre là, vous rentrerez là, vous avez la bouteille derrière. Donc, il y a un scratch ici qui permet de régler. D'accord? Il y a une sangle au niveau de l'abdomen, une sangle ici pectorale, et ici, on a des réglages. Alors, là, voilà, le gilet me tient bien, et au niveau de la bouteille, ça va être impeccable comme ça. C'est le moniteur qui va vous équiper. Vous lui direz juste si c'est bien serré ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ce gilet a la particularité d'être gonflé. Donc, si j'appuie sur le bouton rouge, je gonfle. Si j'appuie sur le bouton blanc, je dégonfle. Je peux aussi le dégonfler là et là.
Donc ça, c'est le moniteur qui va le faire, vous, vous ne vous en occupez pas. Donc quand vous allez être sur le bateau, vous serez en combinaison. La bouteille sera à la surface, elle sera ouverte comme ça, et vous viendrez vous asseoir dans l'eau, et le moniteur vous aidera à vous équiper. Une fois que vous serez équipé, il va discuter un petit peu avec vous. Alors quand ça va être dehors, ça va être facile. Quand on va être dans l'eau, on va fonctionner avec des signes. Alors le premier des signes qu'il faut connaître, ça va être ce signe-là. Alors souvent, on fait l'erreur, on dit ça veut dire oh, OK, non. On va dire ça, c'est une question, c'est est-ce que ça va ? Donc si je te demande est-ce que ça va, tu vas me répondre quoi ? Si ça va, et si ça va pas, tu vas me faire ce geste-là. Donc, et alors tu vas me dire, ça va pas pourquoi ? Alors tu vas peut-être me dire, ça va pas. Moi, je peux te poser la question, les oreilles, ça va, et toi, tu vas me dire, ça va. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Après, qu'est-ce qu'on a à savoir comme geste ? On va dire, ça, c'est on monte, ça, on descend, ça, on reste au même niveau. D'accord ? Comme il fait froid, on peut avoir aussi des problèmes, on est un peu frileux. Donc si vous avez froid, qu'est-ce que vous allez dire au moniteur ? Vous allez faire ça. Ça veut dire j'ai un peu froid. D'accord ? Ça veut dire j'ai beaucoup froid. Si vous avez vraiment beaucoup froid, qu'est-ce que va faire le moniteur ? Il va vous dire fin de plongée, toi et moi, on remonte. D'accord ? Alors, vous pouvez avoir quoi comme signe ? Si vous êtes essoufflé, voilà, vous pouvez faire ce signe-là et ça ira. Deuxième de règle de sécurité, c'est que quand on va être dans l'eau, on va penser énormément à souffler, parce que dans les poumons, on a de l'air, et vous avez déjà pris une poche plastique ou une bouteille vide, de temps en temps, elle peut se comprimer, ou avec la chaleur, elle peut exploser. Mais là, il se passe la même chose avec, en fonction de la distance. Donc si vous prenez de l'air en bas et que vous bloquez votre respiration, qu'est-ce qui va se passer ? Les poumons, ils ne vont pas du tout aimer. Donc, toujours. Et le signe que va vous faire le moniteur pour souffler, ça va être comme ça. D'accord ? Ça, c'est fondamental. On doit toujours souffler, toujours souffler, toujours souffler. Globalement, quand on est sur Terre, on va dire que on respire, on inspire deux temps et on souffle un temps. Quand on est sous l'eau, c'est le contraire. On va respirer plutôt un temps et on va essayer de souffler plus longtemps en rentrant le ventre. Voilà. D'accord ? Donc, nous, quand on va partir, je serai derrière vous, je vous tiendrai la bouteille par ici et puis je vous montrerai certaines choses. Alors, sous l'eau, il y a une troisième règle de sécurité, c'est qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Alors, on va faire attention parce qu'il y a peut-être des anémones de mer, hein, vous avez déjà vu dans Nemo. On ne touche pas ça parce qu'après, il y a des urticants. Si on le met sur les lèvres, ça ne va pas être... voilà. On fera attention également aux oursins. D'accord ? Si je fais ça, on ne touche pas. Sous l'eau, on est là que pour le plaisir des yeux. Donc, si il y a des poissons, je vous ferai comme ça. Voilà, donc, et je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a à voir. Ça va durer une vingtaine de minutes. Voilà, et ceux qui ne font rien peuvent se baigner en attendant. Et ceux qui auront fini pourront se baigner. Par contre, vous ferez bien attention de rester entre le bateau et la digue. Voilà. Et dernière chose, pour rentrer à l'eau, soit vous sautez, hein, comme vous voulez, autrement vous pouvez descendre sur l'échelle. Voilà. Bon baptême. Merci.